超剛速球は突如として失速するし、それなのに朝比奈さんはかすることすらできないしで、ある日は思うつまらせるばかり。Nagato a gardé son super lancé de côté, voilà, faisant plus facile pour Azayena de frapper et laissant Harui satisfaite pour en même temps, c'est tout. Mais la façon dont Nagato a fait. Bon, le dernier lancé était un coup de chance. Hein. ある日も諦めざるを得なかった様子。それでも地方予選から甲子園優勝まで完封できるくらいは出てるんだけどね。Ah, mais au moment qu'elle dit ça, peut-être que ce sera assez pour satisfaire. Ah oui, hein, en même temps qu'elle dit ça, elle voudrait toujours pour garder de ce côté son rêve de jouer dans le stade de Kochum, je suppose, hein. Et maintenant. Et maintenant qu'Azayena a posé de côté sa frustration et peut bon, se détendre, je peux. Ah, je me demande si ça suffira. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Arrête de faire ton kiff. Bon, ok, tout le monde devrait être à l'aise pour faire ça et on va pouvoir monter ça. Ouais, il semblait que bah, quelqu'un a réussi. Ah, je suis désolé. Mais machin, je dois être capable de faire un home run maintenant. Il est temps de niquer le game. Hein. C'est de quoi je parlais là, allons-y! On va voir le rendu final. Ok, ok! Allez, un Andor! Oh putain, le bruit de Taniguchi. Ouais, bien, je pourrais faire ce que je peux, hein, je suppose. Ah putain, je serais jamais capable de frapper ça. Hein. Bon, c'est mon tour, si tu veux être l'attrapeur, vas-y. Hein. On dirait que j'ai perdu, hein, que je suis nul. Hein. Ah, c'est de ta faute, alors tu devrais être capable de frapper ça. Ouais, comment ça, c'est ma faute, qui c'est qui va filmer ça, si c'est pas moi? Je le ferai. Putain. Oh, ça vole de bon temps, dis donc, mais... On l'a attrapé. J'aurais jamais pensé que ma soeur serait capable d'attraper ça. Ah, tu vas pas me dire qu'il y a personne ici qui est capable de faire un putain de home run. Et alors oui, pourquoi on pourrait pas couper et lâcher Aval, tu sais, en haut, que ça pourrait pousser de cette façon. Eh, mais si on fait ça, la balle sera trop lente, il n'y aura pas assez de force derrière ça, est-ce que tu réalises? Mais putain, laisse-moi une pause, merde, un break. Ouais. Comme le tour 1, le truc allait bien, nous n'avons pas pu finir à temps, Harui a été frustré, a décidé de faire un post-prod de la scène. Les joueurs extérieurs ont commencé à jouer donc avec Nagato et merde, j'aurais dû leur parler avec eux à propos de ça.
C'est troublant, nous n'avons pas été capables de fumer la scène après tout. Ah, je suis désolé, si seulement j'étais mieux que ça. Tu vas demander à quelqu'un sur le club de baseball pour aider. Hein. Peut-être nous pouvons demander à Nagato d'utiliser le home run mode utilisé durant le baseball compétition. J'espère que pas, si possible. Hein. Mais considérant les circonstances... J'ai une idée! Ouais, voilà, c'est moi qui pensais qu'il lui faudrait une moitié d'année pour arriver à quelque chose. Je suis sûr qu'elle a obtenu une sorte de ridicule, de plan ridicule. Ouais, elle a la tête du plan ridicule. Alors je vais dire ça une seule fois et il faut mieux écouter, hein. Ouais, t'inquiète, on va écouter. Donc d'abord, Yuki attrape le regard de Itsuki, donc voilà, l'attrapeur, et puis il essaye de choper la balle, d'envoyer la balle à Mikuru, qui a la batte, voilà, juste comme on l'a fait avant. Et sauf qu'elle va envoyer la balle directement vers elle, ce qui semblera plus cruel. À ce moment-là, Mikuru frappe la balle et dit sa ligne. Tu es une lâche, Yuki. Hein, je vais continuer à garder Itsuki sauf, en sécurité de toi. Hein, pas moyen que tu essayes de faire ça à moi. Hein. Allez, faisons ça. Ouais, bah tu peux faire ce que tu veux, mais je peux pas accepter ça, c'est trop dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux à propos de ça? Nagato a un bon sens du contrôle. Alors c'est quoi l'affaire? Ouais, mais qu'est-ce que tu es, tu devrais prendre un peu plus de regard sur Asagina. Elle se bat pour être juste là où elle est maintenant. Hein. Je peux juste imaginer comment ça va se jouer et j'assume que Asagina pense à la même chose hein, et commence à trembler. Et à un moment donné, Asagina dit quelque chose que j'aurais jamais pensé qu'elle dirait. Je le ferai! J'ai jamais été capable de frapper jusqu'à maintenant, mais si c'est ce qu'il faut faire, laissez-moi l'essayer. Putain, Asahina, survivante de l'enfer. Bref, mais après avoir dit ça, elle arrêtait pas de perdre le contrôle. Oh le cri. Mais Amiko, tu peux pas juste t'asseoir là, combien de fois il faut te dire? Bah moi je suis désolé. Nagato a eu le bon contrôle et a réussi à la... Mais elle n'a pas été capable de la frapper et pour une certaine raison, il semble que son corps n'a pas réagi proprement. Alors, non seulement elle a même pas été capable de dire sa ligne hein, qui lui a été donnée, elle a juste même pas dit pour elle-même une seule fois. Ouais, tu peux pas avoir l'air effrayé dès le début, tu dois mettre du cœur là-dedans.
Miko, tu peux le faire. Heureusement qu'il y a la vraie amie qui est là, hein. Essaye. N'abandonne pas. Miko, allez, on est avec toi. Oh putain, c'est trop dangereux, je peux pas voir ça. Je sais pas si Zaina est vraiment bonne pour ce genre de choses, hein, pour être honnête. Kion, ce serait peut-être pas une bonne idée de juste arrêter. Ah, je suis d'accord avec vous, mais il semble qu'elle veut le faire. Et puis quand il y a Nagato, j'ai le sentiment que ça va partir en couille. Hein. Allez, c'est prêt, allons-y. Action! Ah bon, sa forme allait bien, elle a regardé comme si elle allait actuellement foutre quelque chose. La balle a foncé droit vers elle et soudainement Asahina. Sa tête s'est précipitée vers le la trajectoire de la balle et la balle elle a tout craqué. Miko! Mais qui, oh putain, mais qui s'inquiète pour la ligne de dialogue? Est-ce que tu vas bien? Oh non! Ah oui, s'inquiète pour Mikuru. Oh, c'est mignon. Bon, en même temps, si l'actrice meurt, elle peut pas terminer le film. c'est je casse le moment de mignon par une réflexion de pute. Non, mais en vrai, même si c'est une grosse salope. Elle est tout, elle a des petits moments comme ça, oui. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Miko, c'est peut-être mieux que tu bouges pas beaucoup. Hein? Hein? Nous devrions aller à l'infirmerie. Non, qui on appelle une ambulance? Attendez, mais pourquoi est-ce qu'il faudra appeler une ambulance? Elle a juste été frappée à la tête par une balle rapide, t'as pas réalisé ça? Maintenant que tu mentionnes ça, mon casque. Eh, hey, Miko, ta tête t'a pas été blessée? Ouais, ça fait pas mal. Vraiment? C'est la vérité. Comment c'est possible? Avec votre respect, hein. La balle a probablement frappé le casque dans le bon angle, ce qui a mis toute l'énergie sur le casque. Hein. Ouais, donc l'angle du casque a fait que ça a noyé l'impact et donc laissé la tête de Inea complètement intacte. Vous appelez ça une sorte de miracle, hein? Ouais, c'est une explication plausible. Encore, il faudrait quand même aller vérifier avec l'école juste au cas où. Tu peux aller l'emmener là-bas, Tsuruya? Bien sûr. Tu dois nettoyer cette zone, Kion. Ah, bien sûr. Je dois aller où, Miko? Est-ce que tu vas bien? Allez, allez, va pas dans le chemin, là! Bah, nous avons tout nettoyé, nous sommes rendus à l'infirmerie.
Salut Kyon. Zaina, tu te sens mieux déjà? Ils ont dit que rien n'allait avec... tout allait bien avec Miko, n'est-ce pas génial? C'est vraiment un miracle. Ouais, c'est vrai, vous m'avez inquiété pendant une minute. Oui, je suis inquiété. Le professeur a dit que c'est bon, elle allait bien. Tranquille. Et Nagato qui était derrière moi a dit... c'était ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? C'était juste un accident, c'est pas la faute de personne. Tu vas pas être celle qui doit dire ça, hein. Alors regarde, Miko va bien, il n'y a pas besoin de s'excuser. Encore une fois, tu devrais peut-être pas dire ça. Ouais, je vais bien. Il n'y a pas besoin de t'inquiéter à propos de moi, Nagato. J'entends certains camarades de classe stupides dire quelque chose comme génial, elle devrait être faite en argent, quelque chose comme ça, et d'essayer de laisser faire ça maintenant. Alors en fait, Kyon, t'as réussi à capturer la scène sur le film après que Miko Ah, laisse-moi penser, je suis sûr que j'ai enregistré jusqu'à que Miko a été frappé par la balle. Et qu'est-ce qu'il y a à propos de la ligne? Ça est arrivé après qu'elle était frappée, j'étais pas focus sur ça. J'essayais de voir si Zaina allait bien. Oh, juste, mais la scène va bien, n'est-ce pas? Et si c'était ok, hein? Parce que sûr que l'enregistrement de la dernière partie doit être déjà, ne doit pas bien se placer sur le focus, Rikus et tout, tralala. Bon, c'est pas bien branlé. Alors oui, encore plein de trucs à se plaindre, mais au moins on a réussi à faire pas mal de choses. Là, l'équipe du film est allée au truc. J'ai escorté ma sœur sur la grille de l'école et puis on est retourné à la classe pour se changer. J'avais déjà fait du montage, j'avais déjà commencé à faire du montage et j'avais pas la tête comme ça. Et en fait, même après avoir fait tout le trouble de la production pour l'enregistrement du film, notre super directeur m'a pas donné d'indication sur quand et où je devais insérer ça. Hein. Quand je suis retourné à la classe, j'ai vu Nagato qui était là, comme d'habitude. J'étais sur point de dire quelque chose, et enfin... j'étais sur point de lui dire quelque chose quand elle a parlé d'un coup. Là-bas, j'étais capable de faire un ajustement entre la vitesse et la trajectoire de la course de la balle et tout. Toutefois, je n'étais pas en accordance avec les lois de physique de cette planète.
ボールによる負傷は不可というオーダーがあり、これを優先事項として処理。J'ai établi que éviter une blessure aurait été une préférence. 結果、激突する際、朝比奈未来とヘルメットの間に指向性重力フィールド 0.000003 秒展開。頭部への衝撃をほぼゼロとした。Donc quand ça a frappé Zajina et son casque, on rencontrait donc, le chemin avec 0,3 secondes d'intervalle, ce qui a laissé les dommages sur la tête réduits à approximativement 0. Merci, professeur. Hein. Ouais, je vois le comment ça marche en général. Hein. Donc tu as dit que tu avais fait une sorte d'erreur, n'est-ce pas ? ボールの軌道上に体を移動させることは予想可能。よって、事前にそれを見越した上でコースを設定すべき。Alors, Mikuru, donc, a pris le chemin pour éviter la balle, comme j'avais prédit, mais j'avais pris la propre course et tout, de tout jusqu'à ce point. ボールが手を離れる瞬間まで、不動のままでいる確率の方がわずかに高かったため、コース設定が甘くなった。Mais après le moment que j'ai lâché la balle ma main, elle était sujette à d'autres variables. Heureusement, c'est devenu favorable. La trajectoire de la balle a changé après ça, avec le résultat que tu étais capable de voir. Mais c'est pas ta faute, tu devrais pas. Si tu devais blâmer quelqu'un, ça serait la faute de Haruhi. あなたには謝らなくてはならない。じゃあ、m'excuser à toi。何を？Pourquoi？二つのオーダーに勝手に序列をつけ、負傷を回避したこと。J'ai assigné les priorités hiérarchiques dans deux ordres dans le but d'éviter les blessures。いや、そこは謝るところじゃないだろう。C'est pas vraiment quelque chose t'as besoin de t'excuser, merde。そう。Ouais, c'est juste。長友はそれだけ言うと。C'est tout ce que Nagato a dit et après elle est retournée regarder son putain de bouquin. Bon, alors nous avons le choix entre évidemment entre notre cher ami. Oh putain de merde, notre cher Mitsuruya et Yuki et évidemment Mikuru. Sauf que bien évidemment, nous allons aller voir. Ben, Tsuruya. Et normalement, on devra enfin voir les dialogues et tout, les trucs comme ça avec elle. Alors, je suis tellement fatigué, je peux pas juste aller monter la nouvelle scène que nous a filmée. Oh, mais tu ressembles à, justement à un mec travailleur sur travail, hein, de businessman sur travail. Et Tsuruya, toi tu sembles énergique après tout et on n'aurait pas l'impression que t'as jamais fait de match de baseball de tout le temps. C'est parce que j'ai un super esprit d'acier. Je pourrais te donner un peu du mien, hein, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr, vas-y. Ouais, j'ai bien envie, hein, on va pouvoir se marrer un peu. Allez, on peut avoir une bonne discussion alors, hein. Une bonne discussion. Ouais, bah ça va te faire fatiguer, te rendre à nouveau bien, hein, n'est-ce pas? Ah, donc c'est ça. On me pointe pas des deux doigts. Ouais, depuis que j'ai donné ça, il y aura pas moyen que ça ne marche pas, hein. Ouais, elle va faire son effort. Oh, on va aller la draguer. Non, j'ai qu'un. Ouais, on va la rendre contente, la petite chatte. Alors, qu'est-ce qu'on a en choix? Alors, le festival culture, ma classe, devrait poster donc les résultats des sondages tous les jours au fur et la brigade. Je suis vraiment enthousiaste. Donc, on va aller se regarder un petit coup. On va écraser le nouveau truc, hein, pour être sûr. Je pense qu'on reprendra ça, hein, à l'autre sauvegarde quand on fera les autres embranchements. Parce que je crois que c'est à partir de là, vraiment, que. On va dire. On part vers les embranchements. Donc le souvenir, ouais, donc enthousiaste, Zajina. Un autre de mec après Zajina, n'est-ce pas? Pouh là, je sais pas si ça va lui plaire. Je connais le secret d'Zajina.
Je suis pas inquiète à propos de ça, il y a Zico à café. Alors, en général, quand il y a deux trucs conversation comme ça, c'est qu'il y en a une troisième que tu peux débloquer plus tard, et normalement, ça c'est le cas, c'est justement pour avoir le truc SOS grade. Et quelque chose me dit qu'on peut pas l'avoir autrement, donc tu sais, c'est comme Itsuki, ça va faire chier, donc faut que tu surveilles ça. La nourriture, c'est cool, est-ce que Zaina elle cuisine? Faut arrêter de parler que de Zaina. Après, c'est sa meilleure amie, donc elle aime bien quand même, mais ouais, jouer de baseball, ça a une grande mémoire. Bon, a priori, on peut pas vraiment la super draguer, hein. On peut juste super amitié. Hein. C'est con. Alors, mais au moins, on a une embranchement sur elle. Allez, alors, c'est tout le temps qui a été enregistré, hein, voilà. Donc ça, c'était un bon souvenir. Ah oui, on n'a pas pensé bien juste, hein, c'est nul. Hein. Ah, la salle de club est vraiment confortable maintenant. Si vous voulez nous rejoindre dans le futur, pourquoi est-ce que je suis devenu membre de cette putain de brigade ? À penser à des tests au contrôle, ça me rend dépressif. Ah putain, ce vieux bâtiment, il me fait chier. Il va s'écrouler, hein, en mode France. Oh putain, le sourire. On aurait dit que, tu vois, un méchant de Ken. Eh, si possible, faut que ça soit la miniature de la vidéo, ça, hein. Le sourire de... Sutu. Regarde. Ouais, ça, il faut que ça soit le... Oh, génial, putain. Je pensais qu'elle nous aurait fait un sourire, tu sais, ouvert, comme les autres, mais avec la dent qui dépasse. Non, non, c'est carrément, ouais. Ah, j'aime bien. Après, ça, c'est vrai que ça symbolise le truc, parce qu'elle est pas seulement espiègle, parce qu'on... Pour ceux qui honnêtement sont nuls niveau animé, qui ont très peu regardé, voilà. Le sourire de chat, ça désigne un personnage qui est espiègle dans les animés. Hein. En général, des personnages féminins. Mais ça, je pense que ça peut marcher aussi aux mecs. Voilà, mais donc voilà, c'est des personnages espiègles. Sauf que Venturia n'est pas qu'espiègle, il est aussi garçon manqué. Donc je pense que le sourire comme ça viril, ça représente aussi un peu ça. ハルニャン。ねえ、またクラブのみんなで笑顔を撮っても面白かったんじゃないの？もちろん、ハルニャの監督で。いやな、異性になるのは俺たちだけで十分ですよ。そりゃ、びっくるから次々に割り引きがもらったのね。脅すようなこと言わないでくださいよ。 Ouais, donc là, elle parle du ticket de café qu'on a eu de Mikuru et on est va et Mikuru sera super contente. Ouais, on a le truc Brigade SOS avec son putain de sourire. Viril, quoi. Et j'ai un fond d'écran maintenant de sourire. Hein. Parce que... Mais c'est, je kiffe ce personnage. Avec Haruhi, c'est un de mes préférés de l'anime du truc. Et... J'hésite avec Haruhi, parce que Haruhi, j'aime bien sur plusieurs points. Après, on va dire, comme je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais... Si je devais choisir, par exemple, si, imaginons, je dois choisir avec qui je devrais sortir. Pas Haruhi. Non, non, Haruhi serait trop galère, hein, quand même. C'est... Bien que c'est vrai que tu vis des aventures de trucs, ça serait quand même un peu galère. Ce serait plutôt de sourire. Et je suis sûr que sourire, on peut vivre des aventures. Parce que sa famille a l'air assez particulière aussi. Et liée au truc. Et puis elle m'amuse plus. C'est plus mon genre. Hein. La fille joyeuse, espiègle, le garçon manqué, ouais. Et qui semble assez ouverte d'esprit quand tu regardes, c'est-à-dire elle est pote avec tout le monde, tu vois. C'est vrai, personne n'aime pas Tsuruya dans cette... tu vois, tout le monde l'apprécie bien.